Salutations spéciales pour Beb Zabin. Nous allons ensemble jeudi à une autre partie dans la leçon pour ce matin. Mais bien avant, à nous prier le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, nous remercions pour ce que dans la vie et pour ce que continuez à faire pour nous. Tandis qu'encore une fois jeudi à nous allons étudier une autre partie dans la parole. Bah, nous intelligents, c'est comme ça nous sommes capables de comprendre la parole sérieuse et appliquer dans la vie. Nous n'avons pas de mérite, mais nous prions comme ça dans le Jésus. Amen. Leçon ce matin, comme nous connaissons déjà, c'est leçon 5. Jésus, l'enseignant par excellence. Jésus, l'enseignant par excellence. Verset à mémoriser. Car Dieu qui a dit du sein des ténèbres brillera la lumière, a brillé dans notre cœur, pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Car le Dieu qui a dit du sein des ténèbres brillera la lumière, a brillé dans notre cœur, pour que resplendisse la gloire, la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Christ. De Corinthiens chapitre 4, le verset 6. Jeudi, qui c'est mercredi, nous parlons ensemble, partie leçon qui citerait le maître et la réconciliation. Le maître et la réconciliation. Eh bien, nous voyons relation humaine, c'est-à-dire relation moun avec moun, et nous voyons trop souvent synonyme d'échec de temps en temps, et eh bien, il y a des petits troubles, il y a des petits problèmes, il y a des petites méfiances, eh bien, qui gagnent dans la relation moun ensemble avec moun. Eh bien, parfois, nous connaissons bien un moun qui était des amis, et qui était très proche, et puis avec le temps, moun ça, ou vient pas faire confiance, c'est-à-dire, nous vient pas amis encore. Pourtant, il y a une relation comme ça, il est capable de réparer. Quand ça lui-même l'arrivé fait, le réparer une relation qui brisée, eh bien, nous arrivons à expérimenter ça, le miracle de la réconciliation. Et nous avons tout, gain moun tout, même les parents pile, et qui gain des relations humaines, mais nous avons qui allait très douce, c'est-à-dire qui pas gagné gros problèmes qui existaient, même les tas problèmes qui existaient, yo entendu, yo fonctionné ensemble. Eh ben, nan qui sa réconciliation, li trouve li au cœur de l'incarnation de Jésus et rôle li tout en tant qu'enseignant divin. De Corinthiens chapitre 5, le verset 16 à 21. Pour Alba, nous répond avec question ça. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Eh bien, si nous sentions heureux quand nous sommes, eh bien, nous, et comme si nous entendons avec l'autre, les nous restaurer relation qui était brisée, si nous nous sentions contents, laisse arriver fait, nous sommes avec l'autre, sentions contents. Mais comment ça, qui s'en a de ressentir tout quand nous-mêmes nous réconcilier avec bon Dieu? Eh bien, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16 à 11. Nous voyons Paul clair, eh bien, sous qui est, nous avons dit qui, sous qui est qui était initié ou bien qui était commencé à nous la réconciliation. Eh bien, nous voyons c'est Dieu le Père qui était prêt devant pour qu'il est capable de restaurer, eh bien, réparer relation qui était brisée ensemble avec nous. Il a accompli œuvre réconciliation ça par Jésus-Christ parce que Dieu lui-même, il était dans Christ, eh bien, pour qu'il est capable de réconcilier le monde avec lui-même. Cependant, à nouveau, non pas doué devenir des simples consommateurs de la joie de la réconciliation. Nous devons apprendre de mettre là, dans l'incarnation, et Jésus t'a participé dans l'œuvre réconciliation. Et nous même également nous appeler pour qu'il nous capable de participer dans cette réconciliation. Ben, Dieu, il réconcilie nous ensemble avec lui à travers Jésus. Et désormais, et ben, même Jean-Paul l'a déclaré, nous recevons ça relais le ministère de la réconciliation. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 20, il fait également tout partie de grands passages que nous trouvons dans le Nouveau Testament concernant l'incarnation de Christ.
Souvent, ils considèrent partie ça, et bien, dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 20, comme un cantique. Et bien, première partie, première moitié dans le passage ça, ils discutaient, et bien, rôle Christ dans la création. Ils voient Christ en tant que créateur. Et deuxième partie, là, ils concentrent sur le rôle que Christ les jouait dans la rédemption. C'est-à-dire, par l'intermédiaire du rôle Christ en tant que créateur et rédempteur, et bien, Dieu réconciliait toute bagaille avec lui-même. L'œuvre de réconciliation que Dieu lui-même a accomplie à travers Jésus, il a une portée cosmique et il a affecté tout. Eh bien, ni ça qui est dans le ciel là, ni ça qui est sous terre, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Tandis que nous ne sommes pas capables jamais égaler portée cosmique là, portée cosmique de l'œuvre, mettre là en tant que réconciliateur, mais nous tous nous éviter pour que nous soyons capables de participer. Dans le ministère, réconciliation, et bien ça, de façon personnelle. C'est-à-dire, chaque monde doit jouer un rôle dans le ministère, réconciliation, ça. Et bien, est-ce que nous sommes capables de penser, et est-ce que nous sommes capables de penser avec ça, quand Jésus déclarait, vous le dites dans Jean 17, verset 18, est-ce que nous ne pouvons pas considérer ça, c'est-à-dire, ministère, ça, qui Christ même dit, nous, et bien, il dit, même Jean-Papa te voyait dans le monde là, te voyait dans le monde là, et bien c'est comme ça tout, lui-même, lui voyait nous dans le monde là, c'est-à-dire nous là, et bien nous avons un ministère pour que nous puissions accomplir, qui c'est le ministère de la réconciliation que nous retrouvons à travers l'incarnation de Jésus. Et bien, dans quelle façon concrète nous capable de refléter le rôle bon Dieu en tant qu'agent de réconciliation? Et bien, dans quelle façon concrète nous capable de faire ça? C'est-à-dire, dans quelle situation présente, eh bien, que nous-mêmes nous capables d'aider l'autre monde à réconcilier. Eh bien, en gros, c'est le son jeudi. Eh bien, le maître et la réconciliation. Eh bien, nous, ouais, Jésus, il vient réconcilier le monde avec Papa. Eh bien, nous-mêmes, tout, Jésus, bah, nous ministère ça. En tant que maître, nous devons apprendre de lui pour que nous capables d'enseigner le monde, pour que le monde capable de réconcilier non seulement l'une avec l'autre, mais pour qu'il soit capable de réconcilier avec bon Dieu. C'était l'essentiel ça pour aujourd'hui, mais avant même que nous allions, à nous prier le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour l'enseignement que vous avez nous matin. Aidez-nous pour que nous soyons capables de bien, eh bien assimiler les paroles, vivre les paroles dans la vie, nous, et qu'on soit partagé ensemble avec l'autre monde, et qu'on soit pour que le monde capable non seulement de réconcilier l'un avec l'autre, mais pour que nous soyons capables de réconcilier ensemble avec vous, Papa. Bénis-nous, sauvez-nous, restez ensemble avec nous, nous prions comme ça, dans le nom de Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une bonne étude. Et à la prochaine.